Et ouais, j'apparais comme ça en 2020 maintenant. Assassin's Creed, quelle licence merveilleuse. Enfin, je pense que vous vous en doutez si vous vous trouvez ici à cet instant précis. Sinon, c'est que vous avez dû vous perdre, et dans ce cas, je vais vous demander de regarder attentivement cette lumière bleue, et voilà, on peut repartir à zéro. Salut les gens, c'est The First Day, et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto DIY sur comment vous faire votre propre avis sur un jeu. Bah rien, je déconne quand même. Mais au fait, je vous ai pas parlé du décor, car qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, et bien sûr, nouveau décor pour le coup. En tout cas, j'espère que cette année 2020 vous apportera la lumière. Lumière. J'espère qu'ils auront compris le jeu de mots quand même. Ouais, stop, on est d'accord. Pour cette intro, on est carrément parti en couille. On va se ressentir un petit peu. Je tiens tout de suite à vous prévenir, cette vidéo ne vous apprendra rien du tout sur la licence. Enfin, sauf pour ceux qui ont découvert la licence avec Origins ou Odyssey. Mais aujourd'hui, on est plus là pour parler entre nous, parce que j'ai envie de parler d'un truc qui me tient extrêmement à cœur, et qui rappellera sûrement de bons souvenirs aux personnes qui sont fans de la licence depuis moult années. Et c'est parti, je balance l'intro. Loin derrière nous se trouve l'époque où Assassin's Creed était à son apogée. Enfin, selon moi bien sûr. Je sais pas pour vous, mais le dernier épisode qui m'a vendu du rêve avant sa sortie et qui me faisait se dresser ma troisième jambe à chaque news ou thriller, et bah c'était Assassin's Creed Unity. Ouais je sais, c'était pas très fin. Sans mauvais jeu de mots pour le coup. Je sais pas si c'est le fait de grandir, de mûrir ou d'avoir joué à extrêmement de jeux durant ces 15 dernières années, mais je trouve que l'annonce des jeux aujourd'hui est sans saveur par rapport à l'époque. Alors je me suis dit pourquoi pas se retrouver et de parler de comment Ubi devrait s'y prendre pour l'annonce de Ragnarok. Rester sur du vachement soft comme ils ont pris l'habitude de le faire avec Origins et Odyssey, ou repartir comme à l'époque que j'aime appeler âge d'or d'Assassin's Creed, par là. J'ai bien entendu parler de cette époque qui s'étend d'Assassin's Creed 2 jusqu'à Assassin's Creed Unity, car pour beaucoup, le déclin commence ici. Bien que leur communication autour de leur jeu reste toujours aujourd'hui assez impressionnante, et bah je pense qu'Ubi devrait revenir à l'ancienne formule. C'est simple, un petit thriller CG d'à peine 1 minute 30, histoire de poser l'époque du jeu et d'entrevoir le prochain protagoniste, et généralement, cette étape arrive en février-mars. Repensez à ce 5 mars 2012, nous étions tous devant nos PC à 18h pétantes pour la première apparition de Connor Kenway et du premier thriller CG d'1 minute 30 d'Assassin's Creed 3. J'en ai encore des frissons rien que d'y repenser. Ensuite, on a eu quelque chose à se mettre sous la dent avant le 3. Avec quelques infos, et ensuite on enchaînait sur le 3 avec cette fois-ci du gameplay et encore une fois un gros thriller CG de 3-4 minutes. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. Je fais ensuite la même chose avec Black Flag, encore une fois un petit thriller CGI en mars ou en avril, je ne sais plus pour le coup. Avec cette fois-ci un thriller qui était plus mémorable pour ma part, avec Barbe Noire qui parlait du prochain protagoniste pour le coup, Edward Kenway. Et encore une fois, plein d'infos avant le 3, du gameplay à le 3 et un thriller CGI. Alors bien sûr, je vais pas vous faire chaque Assassin's Creed, mais ça restera à peu près la même chose jusqu'à Syndicate. Et nous aurons droit en mai à une petite conférence préenregistrée, mais gros changement à partir de Origins. Mais avant de parler d'Origins, si la vidéo vous plaît jusqu'à ce moment précis, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait et à partager la vidéo pour avoir l'avis de plus de personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous voudriez qu'Ubisoft fasse pour l'annonce ou tout simplement pour le marketing autour d'Assassin's Creed Ragnarok. Comme je vous le disais, c'était la méthode utilisée pour mon âge d'or d'Assassin's Creed. Et donc à partir d'Origins, bien que le jeu soit énorme et soit sur la seconde place de mon podium des jeux Assassin's Creed, j'ai trouvé que la méthode marketing avait perdu en saveur. Dans un premier temps, nous n'avions pas d'annonce avant le 3. Il fallait attendre jusqu'à le 3 et comme vous le savez, Ubisoft a du mal à garder ses secrets. Pour le coup, ils arrivent à tenir leur secret sur Ragnarok parce que rien n'est officiel pour le moment et aucune image n'a fuité. Et pour tous les jeux Ubisoft, d'habitude, on a une petite image qui fuite à l'avance, donc ça gâche un petit peu la découverte. Nous avions donc du coup droit à un thriller CGI à l'E3 pour Origins, mais encore une fois, il avait perdu en saveur. Il n'était pas aussi impactant que les autres thrillers que nous avions eu l'habitude d'avoir, comme par exemple avec Assassin's Creed 3 ou Assassin's Creed Unity. Et alors pour Odyssey, on va même pas en parler. Comme vous le savez, je le porte pas dans mon cœur, on a eu le droit à 0 CGI, ce qui a déçu beaucoup d'amis à moi qui sont fans de la licence aussi. Et du coup, comme j'ai pas aimé le jeu, bah j'ai pas réussi à trouver de positif sur la méthode marketing qui a été utilisé autour de cet opus. Pour moi, les thrillers n'étaient pas forcément bons, et le jeu, encore moins. Et là, vous vous dites sûrement, mais First, tu nous parles maintenant depuis 4 minutes sans forcément rien dire. Et là, je vous répondrai que oui. Enfin, si j'arrête la vidéo maintenant. Et c'est pas le cas. Si vous avez bien suivi, je vous ai donné des dates jusqu'à maintenant. Et ces dates sont très importantes. Puisque ces dates parlaient des différentes périodes à laquelle les jeux avaient été annoncés et les premiers thrillers étaient sortis. Et si vous avez bien suivi les rumeurs qui tournent autour d'Assassin's Creed Ragnarok, le jeu devrait être annoncé durant le PlayStation Event de février qui se déroulera le 12. On se rapproche donc des périodes d'annonce d'Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed 4. Et donc, on pourrait s'attendre à une méthode de communication similaire à celle de ces deux opus, c'est-à-dire nous vendre du rêve avec des thrillers CGI qui nous en mettent plein la vue et des bandes annonces aussi épiques que celles de Unity. Pour moi, un bon jeu Assassin's Creed ne se définit pas non seulement à l'expérience une fois la manette en main, même si ça joue pour beaucoup, on va pas se mentir, mais un bon jeu se définit aussi par tout ce qu'il y a autour, que ce soit les thrillers, l'impression qu'il laisse au joueur ou encore les romans qui se situent autour de cet univers. Bien que Unity soit pas le meilleur des jeux, il fait partie des 2 ou 3 opus auxquels j'ai pris le plus de plaisir à attendre. Et quand je repense à ce jeu aujourd'hui, je pense à tous ces thrillers magnifiques, à ce jeu qui encore aujourd'hui reste
reste l'un des plus beaux jeux de cette génération, mais je pense pas à tous ces défauts qui avaient été soulevés par l'Ubibashing. Alors s'il vous plaît Ubisoft, je sais que ça va faire un petit peu bateau, mais après un Odyssey qui m'aura fait m'éloigner un petit peu de la licence, que ce soit au niveau de mon attente ou durant mes heures de jeu, pondez-nous une pépite et couvrez-la du meilleur marketing possible pour ramener la licence à ce qu'elle était à l'époque. Je sais que ça change énormément du type de contenu qu'on a l'habitude de publier sur la chaîne, mais ça m'a fait du bien de vous parler un petit peu de tout et de rien. J'espère que ça vous aura plu aussi. Si c'est pas le cas, bah ça sera la seule vidéo de ce type sur la chaîne, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires en nous donnant votre avis et en nous disant ce que vous en avez pensé, à lâcher un pouce bleu en dessous de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine les gens, paix et sérénité.